Maïva, Mélissa, Bianca, Sab, et les gospel au top. Bonjour mon ami. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Ok, aujourd'hui c'est dimanche. Est-ce que vous aimez la musique gospel? On commence par toi. Bon, un peu oui. Pourquoi un peu? Passer à travers cette musique, on peut écouter un peu le message, la parole de Dieu. Le message et la parole de Dieu. Et toi, mon ami, aimes-tu la musique gospel? Bon, en fait, j'aime tout genre de musique. J'apprécie aussi la musique gospel, en tout cas. Et qu'est-ce qui t'intéresse au gospel? Ce qui m'intéresse au gospel, c'est parce que, bon, on parle de Dieu à l'intérieur, n'est-ce pas? Bon, à travers cette musique, on nous montre l'importance de Dieu et ce qu'il pourrait faire pour nous dans cette musique, en tout cas. Et bon, la musique gospel, bien que moi aussi j'aime la musique, mais je tiens un peu, bon, un message dedans, vous voyez. Et je trouve que ça devrait être très fréquent, vous voyez. Les gens devraient fréquenter cette musique-là. Ils sont plus habitués aux musiques. Bon, public là, comme le mbolé et tout, mais les gens aiment plus s'intéresser aux musiques de dehors que la musique gospel, alors que c'est très important pour nous. Est-ce que tu as, est-ce que toi tu as un message à dire à ceux qui excellent dans ce domaine? Ouais, bon, ils devraient améliorer leur façon de chanter parce que plusieurs artistes gospel aiment utiliser un sens un peu doux dans leur musique. Ils devraient prendre plusieurs rythmes, comme par exemple les styles coupés décalés peuvent infiltrer Dieu à l'intérieur. Même le rap, comme c'est pourquoi j'apprécie aussi un peu KS Boom, parce que c'est un rappeur de nature, mais il a utilisé le rap là pour Dieu en fait. Et il ne devrait pas seulement être doux. J'aime bien la musique gospel, mais il ne devrait pas seulement rester sur une même façon de chanter.